Yo les gars, c'est Val, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve sur Defus, comme vous avez pu le constater. On est sur le Yop, les amis. Aujourd'hui, on va faire une petite session PVP tranquillement. Donc durant cette vidéo, les gars, posez-vous tranquille, détente, mettez-vous à l'aise et on va s'enchaîner quelques petites games. Je vous montre juste la cote vite fait, brièvement, en 2 spi. On est à 4003, donc j'ai fait toutes les games de placement hors vidéo, du coup. C'était un peu du 50-50 niveau des victoires. Et là aujourd'hui on va se retrouver, je sais pas combien de games je vais vous faire. On va essayer de s'amuser. Je vais mettre les défaites et les victoires logiques, parce que là le but c'est qu'on remonte, hein, vu que je ressors d'un arrêt de 9 mois sans toucher à mon PC. Donc sans toucher à Dofus aussi. Donc il faut qu'on essaye de remonter. Pour ceux qui ne savent pas, avant l'arrêt j'étais entre 4800 et 4900 de cotes. À peu près je jonglais entre ces deux cotes là. Et donc là l'objectif c'est qu'on remonte ça, et j'ai envie de le faire, enfin on va le faire ensemble quoi. Donc c'est pour ça de temps en temps je vais vous sortir des sessions PVP comme ça, où on va être chill, tranquille, et juste se faire des games et monter tout ça. Et moi je vais faire des erreurs avec vous, si vous voulez me corriger en commentaire ou quoi, c'est le but, c'est que vous me corrigiez en commentaire si jamais il y a des erreurs que vous voyez ou quoi. Parce que voilà, effectivement je suis rouillé maintenant, mais on va essayer de se démerder comme il faut. Aussi les gars, de suite là je vous remercie, je vous prends pour vous remercier par rapport du coup à la précédente vidéo de mon retour. Bah sur Dofus du coup, les gars, vous avez explosé la barre de likes comme vous pouvez le voir, hein. Vous êtes des ouf, hein. Plus de 300 likes, donc un énorme merci pour ça. J'étais déjà motivé à bloc, mais de ouf, mais quand je vois ça et les commentaires que vous avez mis, bien évidemment je réponds à tout le monde, ça n'a pas changé, je kiffe vous répondre. Et du coup, bah, merci pour ça, les likes, les commentaires positifs. J'étais motivé à blinde, mais là je suis encore plus motivé les gars, c'est un truc de ouf. Donc c'est parti pour la petite session PVP. Avant ça les gars, j'en profite vite fait, j'ai fait un TikTok. Je vous montre quelques extraits que je mets sur mon TikTok. Voilà, pour ceux qui veulent s'abonner, il s'affiche à l'écran, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous le souhaitez. Voilà les gars, bon visionnage avec les games, on va voir ce qu'on peut faire. Donc 4003, ça va pas, hein. faut qu'on remonte ça à tout prix. Je vais cash inscrire comme ça et je vous dis à tout de suite. Normalement là ça passe easy, hein. Il a encore 6 PA, coup de cac à 1006. Dommage, première game les gars, on se fait éclate, mais c'est pas grave, on va essayer de win la prochaine. Parce que bon, là, en fait j'ai mal joué si vous voulez. J'ai oublié mon Sinti, j'ai pas mis Dococo, j'aime bien en mettre aussi, mais... Vas-y, le stuff il date d'il y a 10 mois là, faudrait aussi que je le modifie celui-là. Ah, tout de suite les gars pour la seconde game du coup. C'est parti les gars, Ozamodas pour cette game, on va jouer le mode terre. En plus, toute petite map bien resserrée. Ce qu'on peut faire, c'est bien évidemment mettre un pre-tech sur cette map là. Ouais, on va quand même jouer, je vous écoute les gars, on joue duel, vous étiez nombreux à me dire de jouer duel et plus en prise, parce qu'en prise c'est moisi quoi. On va jouer la fureur, on a le Sinti à la place du pourpre, on pourrait peut-être mettre autre chose, un émeraude tiens, ou pas. Si, vas-y, avec les invos et tout ça le fait, hein. On va jouer comme ça, on va se mettre prêt, c'est parti. Oza, 4004 PD, 50% terre, ça c'est un peu moins fun, hein. 35 neutres, 50 terres. Bon après il y a de belles restes partout. Aussi un prix tech. J'espère il est haut, comme ça on a 50% haut et c'est cool alors. Ok, qu'est-ce qu'il a posé là? Mais un crapaud c'est déjà bon signe peut-être, je ne sais pas. Ok, on va essayer de déboîter son pote direct. 200, bah je vais direct des vertus. Je vous écoute aussi les gars, c'est vrai que ça va pas être de vertus directement à mon tour 1 en fait. Hein. Ok, donc là je vais juste me charger ma fureur en fait, tout simplement, comme ceci. Oh bah nickel, le crit qui fait plaise. Et lui je pourrais cash le taper, hein. Ou pas. Je réfléchis. Non, en vrai je vais vertu. J'ai maîtrise au cas où, peut-être un coup de cac ça pourrait le faire, je ne sais pas. On va charger ça. On va se caler là derrière, on passe tour. Ok, on a 1800 shield. J'aurais peut-être pas dû reculer maintenant que j'y pense. Après ça va, il nous rush donc tant mieux. Je vais essayer de le rush en fait, hein, direct.
Max, son invo, théoriquement, il va passer, va me bloquer là. Allez, 50%, ça va être tendu. Hein. Là, je suis content parce que finalement, je tombe quand même contre des gars assez opti au final. Hein. Ça, c'est plutôt cool. Il met une cahouette. Ok. Je crois que même l'adversaire peut prendre du shield en la tapant. Mais je suis pas persuadé de ce que je vous raconte. Ok. En vrai, là, je pourrais juste venir là, faire ça. Ok. Juste voir son ivoire quand il dans 3 attaques. Est-ce que ça vaut le coup de l'éroder? Je vais éroder un coup quand même et je vais maintenir la fureur. Crocobure qui passe neutre. Normalement. Bon, il a quand même pas mal de res aussi neutre. Ok, on a 2000 shields, ça c'est plutôt cool. Ok. Et il met encore un crapaud. J'ai essayé de kill à chaque fois au moins un crapaud. Si je peux faire une petite zone épée diop là, ce serait cool. Je pense logiquement avec le noir, je peux peut-être zoner. À moins qu'il le place bien. Ok, il, a... okay. Il le met là. Ok. Comment ça, ça a de vie ça, ouais. Je réfléchis les gars. En vrai je pourrais juste souffler son crapaud. Je vais presser. Je vais juste faire ça comme ça. Je vais quand même fureur. Faire ça. Ça on pète les crapauds, on fait ça. Et je vais me caler là. On passe tour. Ok. On a un peu clean les invos là, c'est plutôt cool. Je pense, faut quand même... je sais pas s'il a un dococo, mais j'ai envie de l'éroder à cause des raises en fait. Parce qu'après, s'il me sort des dragonnets rouges là et tout, ça va me faire un peu chier. Je sais pas trop. Ok. Là, je peux nouveau zoner. Ah, mais je suis précis bas. Je réfléchis. En vrai, non. Attends, mais j'ai mes intis qui passent neutre aussi, ça c'est vrai. En vrai, je vais me caler là, je vais juste délock. Un petit fureur. Ok, je vais rester au contact. Ça en proc l'émeraude, bien sûr. Là, prochain tour, je pense que je vais lâcher une précie pour commencer à me booster. Ça va, on le descend bien. Hein. Bon, je vais caler que deux pressions du coup. Oui, il va booster son truc vert, super. Celui-là, je l'éclate, je pense. Je suis obligé. Et ce qui est cool, c'est qu'il ne détacle pas non plus. Ah les gars, je suis trop content de vous refaire des games, je vous jure, ça me fait tellement... Je suis tellement... Ça m'avait trop manqué le PVP hein, sur Dofus, c'est hein, vraiment un truc de ouf. Hein. Par contre, oula, on prend tarif. Hein. Est-ce qu'on proquerait pas un Saint-Tis tour-ci? Je pense pas, peut-être que si. En vrai, ça me ferait place d'en proc un hein, là, mais je pense pas. Ok. On est à 22%. Très bien. Je vais ou pas peut-être. Déjà je vais kill le gros, ça c'est une certitude obligé. Hein. J'aime Vita. Et je vais fureur sur celui-là. Je vais venir à son contact. Pour taper juste. Ok nickel. On a 2300. Tu as pas bon libération? Si. Pourquoi il me demande ça? Là, j'espère proc un Saint-Y. Ça, ce serait top si là je proc un Saint-Y. Bon, il y a un Dococo aussi qui va venir après. Heureusement, j'ai laissé la Croco taper parce que sinon il aurait proc le Vulbis encore. Ça serait pas trop bien quoi. Ok, il met ça. On a 1008 PDV. Là, il y a moyen, on proc un Saint-Y. Il y a moyen, fort moyen. Et en... je le tue en fait. On a 20%. Saint-Y qui tombe. Avec ça, il me tue pas jamais de la vie. Ok. Et du coup, c'est win. De toute façon, je l'aurais buté. Il a abandonné ou je sais pas ce qu'il a fait. Attendez, les gars, ça rame un petit peu. Ah, ok, il a rage quitte à cause du Saint-Y. Il savait pas qu'il y avait un Saint-Y, je pense. Mais du coup, il a fait bugger tout le jeu ou c'est comment? Ah, super. Game terminé, du coup. Bah, de toute façon, je l'aurais clairement qu'il en aurait proc Saint-Y. La fureur, même sur les 50%, elle fait du 700. C'était. Bah, je pense qu'il a. Dites-moi en commentaire, mais je pense qu'il a.
Il l'a abandonné à cause du scintillant parce qu'il pensait win peut-être, je ne sais pas. Vas-y les gars, on se retrouve pour la seconde game. Du coup, ben 1 sur 2 pour le moment. On se réinscrit du coup les gars et c'est parti. À tout de suite. C'est parti les gars, à nouveau un Ozamodas, tant mieux, c'est une assez grande map cette fois-ci, c'est plutôt cool. Bien évidemment, on va remettre ce mode là. Avec ce mode là en fait j'arrive bien à les éclater, ça c'est plutôt cool. On va jouer duel, mais en fait je pense jamais à jouer moi après contre Rosa, duel tu vas me dire c'est pas le plus utile. Quand même un prix tech ou pas, je réfléchis. Tu sais quoi, on va jouer comme ça, voilà. On est des durs à cuire, on met un pourpre, on est des ouf. Ok, il a un prix tech. Je crois que ça n'existe plus les adversaires sans prix tech aujourd'hui hein. Salut à toi petit bonhomme. Un peu moins dresse que l'autre, parce que l'autre du coup il avait 50%, il a un petit peu moins. C'est cool. S'il est haut pareil tant mieux, mais je vois un peu, non il est R lui. Il va mettre des petits tofu hein. Bon on a quand même, on se démerde niveau res R, ça c'est cool. Après on n'est pas oublié, on a une crocobure aussi les gars hein, donc on a moins 10% de res distance. Le tofu il me le laisse là, ça c'est plutôt cool, comme ça je le déboîte. Parfait, en plus ça crit. On va vertu aussi. On va se vertu comme ça. En vrai de vrai, je réfléchis. Cette KO, je pourrais aussi la caler. Hein. Non? Si. Je vais la caler là. J'ai juste flamish. Ah mince, mais ça c'est la KO qui soigne. Ok, bon je vais... Ah mince, bon, je vais la tuer avec... Ah non, en vrai, je me soigne avec la crocobure. J'ai un peu fait de la merde. Je croyais que j'avais la variante, mais non. Non. Là, ça, c'est la KO qui soigne. L'autre, c'est celle qui met du shield quand tu la tapes, si je dis pas de bêtises. Tout est nouveau pour moi, les gars, alors excusez-moi. Ok, il remet un tofu noir. Très bien. Je vais essayer de le rush, hein, vu que je suis sous vertu. De toute façon, j'ai que ça à faire. Hein. Faut que je l'éclate le plus vite possible, notre pote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Là, on a l'émeraude, l'ivoire, pardon. Tiens, d'ailleurs, lui, je pense, ouais, Vulbis, ivoire, abyssal. Là, il va juste s'attirer pour pas que je puisse le toucher. Super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux avoir le gros tofu, par contre. Je le fais ou pas? Après, j'ai plus tellement de shield. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, je vais faire ça. Je vais me caler là. Je vais juste menace. Je vais kill ça. Si je le tue pas, je reste au contact. Comme ça, il meurt. Parfait. Nickel, c'est parti. Bon, là, je m'expose un peu, mais au moins, je le tape ce tour-ci, quoi. Ça, c'est exactement ce que je cherche. Ok, moins 3. Moins 400, ok. Bon, il le remet, du coup, son pote. Je sais pas si j'ai bien fait de faire ça. Scale là-bas. Ça, Oza R, ça se cherche plutôt à fuir. Hein. C'est pas comme l'Oza O d'avant. Qui va plutôt rester au contact un peu. Voilà, il va m'éloigner vers là-bas. Ça va être un peu relou. Je vais devoir de nouveau bon. Pas ouf. Hein. Bon, en tout cas, avec ses invos, il m'éclate bien. Ok. On peut commencer. Soit j'y vais. Après, il y a encore un pretext. C'est un peu chiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais y aller. Hein. Je vais faire ça. Ok. Je fais quand même bien mal. Hein. Juste taper pour l'instant. Ok. On l'entame tranquille. Malgré le prix tech. Hein. Ok. Nickel. Ce qui est cool avec ce mode là, c'est que tu proc l'émeraude 200 shield et t'as la croco qui te soigne du 184. Là, j'avais le de coco plus 500 encore. Ok, bon, il booste l'albinos là, le blanc. Celui-là, je vais l'éclater de suite. Moi ce que je fais en général, dès qu'il booste 1, je l'éclate parce que sinon il fait trop mal. Après le problème c'est qu'il y a 9 PM sur ce truc, donc je sais pas si je vais pouvoir le taper. Je pense pas qu'il me touche avec le gros là. Par contre lui il va m'éclater de ouf. Moins 500, heureusement il y a l'ivoire, moins 200. What, mais il te fait plus de 1000 de dégâts, c'est... Ah il va s'éloigner lui-même. Okay. Est-ce qu'il a aussi un Dococo? A priori non. Pas de coco sur le bonhomme. Je regarde juste si le micro il... Ouais, c'est bon. Pas de problème les gars. Je vais tuer le gros. Hein. Obligé. Parce qu'après ce que je peux faire c'est... Je réfléchis les gars. Moi bon, je suis toujours pas boost. Hein. Ça c'est aussi à notifier.
1200. Ah, je peux peut-être le one shot. Hein. Attends, je vais faire ça. Ok. Je vais précis. Je vais me caler là. Je vais juste faire ça pour lui déloc l'ivoire. Parfait. Faire ça. Ça. On tape comme on peut, les gars. Je me suis pas boosté ce tour-ci. Là, je passe tour. Comme ça, normalement, ce tour-là, je clamse pas. Quoique, j'ai 2300. Sachant que j'ai un ivoire qui va bientôt pop. J'ai tué son gros tofu. Bon, après, il peut le remettre, mais est-ce qu'il arrive à me kill? Est-ce qu'il fait du 2003 avec l'ivoire? Ok, il nous reste plus que 1008. On a l'ivoire au-dessus de la tête. Il y a moyen de proc un scintille. Je suis quasi sûr qu'on proc et je bond et je kill. À moins qu'avec le gros, il me décale. 400. 300. Ils sont chauds, les tofu. Ah, mais il tape combien de fois? Ah ouais, bah je suis mort, alors. Est-ce que j'ai nouveau un ivoire dans une attaque? Peut-être que je survis, je sais pas. Non, le noir, il me tue. Il fait du 260. GG. Ça, se joue de peu, en vrai. Hein. C'est vraiment de très, très peu. Bien joué à lui. Vas-y, à tout de suite, les gars. Ok, les gars, c'est parti. Premier Uppermatch depuis 9 mois. On va voir ce qu'on peut faire. D'après mes souvenirs, soit je mettais le mode R, crocobure, full mêlée pour les éclater, ou soit le mode terre, mais d'après mes souvenirs, le mode terre passait mieux. Dernièrement, il passait mieux, quoi. On va jouer comme ça. On va quand même mettre duel. Faut que je pense à duel de temps en temps. J'ai pas encore utilisé le sort pour le moment. Hein. On va jouer comme ça. Je vais mettre un émeraude à la place du pourpre. Et on va être parti. Alors, hyper mage. 32% de reste terre. On a l'initiative. Il a pas de pre-tech. Il a 4200 PDV. On va se caler là. On va kawot tranquille. Kawot. On va faire le combo kawot vertu. Fureur. Avec un crit. Salut BG. On va venir décaler ici. Ah, j'aurais peut-être pas dû me mettre là. Je me suis un petit peu fail. Parce que du coup. Il a des petites lignes de vue. Dans tous les cas, il peut me taper. Hein. Bon, malheureusement, il est terre. Donc si c'est toujours d'actualité, s'il vole toujours les stats, je vais me retrouver avec 0 de stats terre. On va voir, les gars. On reste concentré, on veut gagner cette game, ok, à tout prix. 80. Il a mis son petit golem là. Moins 1 à durée des effets, bon, ok. Ça c'est ok. Ok, pas de problème. Est-ce que j'éclate son truc? Ouais, je pense. Faudrait que je... J'ai un pu si j'ai mis pre-tech. Non, si, si, bah si. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je pourrais directement aller le rush, hein. 5, 6, 7, 8, 11, 12. Pff. En vrai, autant y aller, j'ai le pre-tech. Hein. Vas-y, j'y vais, les gars, on y va. On le fureur. On double tape. Tant que j'ai le pre-tech, je me dis, faut y aller. On a encore la croco derrière qui passe à 300, je crois. Ouais, nickel, il a mis un sale tour quand même. Non, c'est bien. Et à moins qu'il nous vole tous nos stats, là, vaut mieux l'éclater, tant qu'on peut. On a l'ivoire qui vient, il vient le déloc, ok. Mais encore. Moins 400. Ok. Il tape aussi feu. Ok. Est-ce qu'il est multi? J'ai l'impression qu'il tape assez fort dans tous les éléments. Bon, il a un vulbis. Faut qu'on fasse gaffe à ça. Il a un tacheté aussi. Très bien. Ok. Ce que je vais faire là, je vais me booster ce tour-ci. Comme ça. En vrai, juste des locks. Bon, normalement, si je dis pas de bêtises, hein, il m'a déjà. Moins 68. Ah, il me réduit les dommages, ok. C'est pour ça que je tape presque plus. Je vais juste l'éroder un coup. Et fureur. Bon, le dégât reste potable quand même. Ça va, ça va. Prochain tour, j'essaye de kill. En vrai, il a plus que 1000. Hein. On a encore full PDV. Moins 400. Ok, on a l'ivoire. Il joue pas en scintillant, je crois, lui. Hein. Non, non. Par contre, ouais, il a réduit les dommages de 15% dommages finaux. Et 15% sur la grosse fureur, ça fait beaucoup. Hein. Parce que plus ton sort va être gros, plus du coup ça va être réduit. Attention, qu'est-ce que c'est? Coup de cac. What? Moins 1005. Ah, c'est l'épée des trucs, ça. Épée brûlame. Ok, il s'est bien régène. J'ai bien fait d'éroder, finalement. Mais je crois que là, on peut peut-être tenter un kill. Je suis pas persuadé de ce que je vous dis. On a un de coco en plus. Il a l'ivoire dans combien de temps, notre amigo? Dans une attaque. Donc je vais cache faire ça. Oh, ça passe moins 1000. GG. On va venir déloc.
Normalement, même pas besoin de précis, c'est censé passer. Hein. Game assez rapide du coup. Encore Crocobur, on avait au pire des cas. Petite game en 3 minutes, c'était plutôt cool. Ça fait du bien aussi de win un petit peu. Bien joué à toi. Et je vous dis à tout de suite pour la prochaine game, les gars. Intéressant, les gars, pour cette game là, on se retrouve contre un Neka Flip. Je sais que je kiffais de ouf les affronter. On va garder ce mode là. Je vais pas mettre de pre-tech par contre. On va jouer comme ça, je pense. Comme ça, on va juste checker un truc. Je vais mettre duel du coup. Et je veux voir encore quelque chose. Ok. Vindict. Ok, c'est l'alternative de puissance Vindict maintenant. Non, je vais pas jouer Vindict. De toute façon, je peux assez l'éroder avec ma pression. Let's go, on se met prêt. Petit Neka Flip en prix tech, 31%. Ok, c'est parti. Salut, beau gosse. Et c'est parti. Hein. Ah ben, c'est aussi un abonné. De retour. Ouais. Vas-y, good luck, frérot. Hein. Du coup, c'est parti. Allez, joue. Ne te préoccupe pas de moi. Il a 4007 HP, 31% terre, 18% d'autre. Vas-y, les gars, souhaitez-moi good luck. Celle-là, faut qu'on la win. Hein. Celle-là, faut qu'on la gagne. Merci, frérot, il a dit de même. Good luck, ça fait plaisir. Ok, c'est parti. Ce que je vais proposer, c'est juste Turek. Surprise, je vais lui dire que oui, hein. Pas de crit. Merde, j'aurais dû vertu. Ok, on va faire ça, on va vertu après, parce qu'on est des ploucs. J'ai vertu maintenant. Yes, je rec. Et je vais me caler là. On passe tour. Bon, il a le pre-tech, moi pas, mais en vrai, ça me dérange pas. Hein. Il a la pression. Mais non, frérot, t'inquiète. On est tranquille, on est zen. On est session PVP, tranquille. Tout va béné. Il joue en croco, le frérot. Hein. Il est agi, je crois. Hein. EKR, ça éclate aussi. Ça éclate aussi des mers, les EKR, je crois. Hein. Ah, il commence déjà. Hein. J'ai bien fait de vertu. J'y arrive. On y arrive doucement, mais sûrement. C'est une roulette, quoi. Je vais les roder. Hein. Je réfléchis, les gars. Bah, je vais me caler là. Je vais booster prochain tour. Je pense là, je vais juste full éroder. Érosion. Érosion. On maintient notre fureur tranquille. Et je tape. Là, je pense normalement, il a l'ivoire. Ok, la croco des locks. Et obligé d'éroder. Hein. Obligé. Il a 900 de shield. Voilà, on part sur un petit désavantage du coup. Il nous lâche à moins 600. Très bien. Désavantage par rapport à la pre-tech, hein, parce que vu qu'il a, il est pas con, il a rush. Mais en vrai, je suis content, je tombe contre des mecs au petit. Regardez CTK, il est quand même au petit. Hein. Et du coup, dédicace à toi, frérot, je pense que tu passeras par là. Ça me fait toujours plaisir de vous croiser. Hein. Okay, il nous éclate bien. Il est... Ok. Juste dans un truc. Très bien. Ce tour-ci, on va juste se boost. Sachant qu'il est encore érodé, donc là je peux taper sur l'érosion. Hein. On va faire ça. Duel c'est 3, 4, 5. Ok. J'ai juste duel. Coup pour coup. Et. Ah oui, du coup j'ai plus de PM aussi. Je suis noob. Vas-y, je passe tour. Est-ce que c'est quand même un bon tour ou pas? Je pense pas parce qu'il peut quand même me taper. Attendez, juste relire le duel vu qu'il a changé. Vulnérable à distance, ok. Moins 300 quand même. Hein. Ok. Mais il peut quand même me mettre quelques petits dégâts, moins 300. Il a Odora ce tour-ci aussi. Il reste 4 PA. Complexe. Ok, il va venir reculer là-bas. Ah, bien joué. Tour 6, il est encore érodé? Non, il est plus érodé. En vrai, je peux lâcher une précie. Parce que moi, j'ai encore la puissance. Hein. Ouais. Je vais me caler là. Je vais juste venir éroder. Pas le choix, de toute façon. Éroder. Lâcher la fureur. On lui fait bien mal. Hein. J'ai pas vu s'il avait un scintillant, du coup. Et là, je vais juste faire ça. Hein. Et je vais rester là, en vrai. On passe tour. Ok, il y a l'odora haut. Bon, on a 3000 HP, tranquille. Il a plus que 1000. En plus, il est R d'Opu, du coup, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Notre pote. Là, je suis en Précis bas, mais Odora haut.
Ça se vaut. Moi, je pense pas il kill là. Ça m'étonne. En plus, il y a le Kuburu qui le fait bien chier, donc il a plus de PM là. Il a plus qu'un PM en vrai. Ok, il contre-coup. Mais le kill passe. Hein. Très bien. Sachant que là, je peux vite à vertu, on est safe. Moins 400. Il va... Oh bah, il est pas con. Il a chance ce tour-ci. Très bien, mon ami. Bah, ce que je vais proposer, ça va être très simple. Déjà, on va Vita. Sûr et certain. Là, il est érodé encore. Donc, je vais juste venir. Oublier le coup pour coup. Ouais, le coup pour coup, ça le fait bien chier. Bah, je vais venir là. En vrai, je vais le Fureur, obligé. Hein. Ok. Et je vais venir Vertu. Hein. Je pense. Je tape. Je Vertu. Et on est safe. Je vais rester au cac, comme ça la crocobure elle le tape un petit peu. Il a 1000 HP et là en vrai on a 4250 HP. Enfin c'est comme si on avait 4250. Lui il est bien érodé, il a plus que 2005 de base. Il a aussi un Vulbis. Okay. Mais une autre roulette, 2 PM. Odora, ok. Là juste précis, bon Fureur et il y passe. Hein. Normalement, si je dis pas de bêtises. Les EK les gars c'est un match-up. Ah ok bien joué. Ok. Les EK ouais c'est un match-up, je surkiffe, hein, mais vraiment. On va juste venir, on va bon. Je peux pas lui bon au contact. C'est pas grave, je vais bon 5, 6, 7, 8. Attends. Je vais ouais attends, je vais bon là. Je vais précis. Et normalement ça passe, hein. Là je déloque. Je sais pas, je dis GG, je sais pas si je finis. On fait 1002. Ouais, il y a la croco encore. Hein. Nickel, ça passe. Parfait. Également 6 minutes. Ça va, c'était plutôt rapide finalement. On va juste checker du coup. On est en 3 sur 5. Bon, ratio plutôt positif. Ça, c'est plutôt cool. On a 4350 de cotes. C'est cool. En vrai, c'est cool. Bon, on va monter doucement, mais sûrement. GG à lui. Hein. C'est parti, les gars. Steamer. Alors là, je sais pas du tout, honnêtement. Ah ouais. Je sais pas du tout, je vais pas mettre le mode terre, mais il faudrait peut-être que je joue... Oh, attendez, je suis pris un peu de court, là. Je vais mettre un pre-tech. Il faudrait peut-être que je joue le sort, comment il s'appelle? Oh, je sais pas si j'ai le temps, non, pas violence, il est où? Friction, non, détermination, il est où ce sort? Massacre, je sais pas si je vais avoir le temps de le mettre. Hein. Agitation, non, il est où? Rassemblement, violence, coup pour coup, friction, duel... Le sort qui... Je sais pas, il existe encore, les gars? Écoutez, je sais pas, mais il va être dopou, hein, c'est sûr, hein. Ouais, il est dopou. Il n'y a plus ce sort. Ah, les gars, ça date. Hein. Bon, agitation. Augmente les PM de l'allié. C'est pas ça. Violence. Ah, j'ai même pas mis. Du coup, je joue en prise. J'ai pas mis duel. J'ai stressé. Coup pour coup, friction, duel, en prise. Soit je bigle ou soit il n'existe plus le sort. Mais il y a un truc, forcément. C'est un des deux. On va se caler là. On va charger la fureur. J'ai vu, il a pas mal de res, malheureusement. C'est cool parce que... Oh super, ça c'est moi. Je suis un sûr de crit là avec mon truc moi ou comment ça se passe là? Ok, on va faire ça, on passe tour. On va quand même dire bonjour. Mais je pense que c'est perdu. Parce que bon, dopou, ça te lâche des tours à 3000. J'ai que 5000 HP quoi. Du coup je joue duel en plus. Enfin en prise. Merde. Attendez, tac, tac. Je suis perdu là. Bon agitation, voilà, c'est pas ça. Comment il s'appelait ce sort déjà? Ah, il est là, détermination. C'était à la place de précis. Je voulais mettre ça. On va essayer. Moi, franchement, on perd pas espoir en vrai, hein, même si on pourrait. En plus, j'écris sur ma kawot, super. Je sais pas. Je vais mettre ça. Je vais maintenir mon truc. Je suis un sur deux au crit ou quoi? Décrite à la truc. Je vais faire ça. Je vais m'avancer délicatement. Et en vrai, je peux puissance ce tour-là. Crit encore. Je sais pas. Je joue pas stuff crit. Hein, je vous rassure. Ah, j'ai fail. Je voulais enlever la précis et mettre détermination. Vas-y les gars, on va voir ce qu'on peut faire. Je garantis pas la win. D'après mes souvenirs, je sais que ça, les steamers d'opou, ça éclate un peu tout. Il se barre. Et je crois à skip, ça a encore été up, hein, mais je suis pas sûr. Ah, super. Ça, c'est super. Je vais essayer de l'éclater, son truc.
1600. C'est con, hein, mais je vais kill son truc. Hein. Obligé de pression. Ok. Pour pas se prendre trop de dopou. Je peux aller là. Bon, j'ai pressé, hein, mais au moins il n'y a plus sa tourelle. Après, si j'enlève précis, bah en vrai je peux enlever. Mais c'est. Attends. Attends, je vais juste voir ce qu'il va me faire. Ok. Bah, il peut déjà le mettre. Hein. Il les vaut. Bon, je me prends quand même un beau tour. Hein. Mais attends, parce que finalement le bon. Agitation. Parce que maintenant en fait tu peux jouer. Détermination. C'était déjà comme ça. C'était pas la place de bon, la détermination, dans le temps. Moi, je suis perdu, les gars, je sais plus. Mais je crois, non. Je vais me faire éclater, j'ai envie de le taper, lui, là. Là, je vais manger du dopou, hein. Vas-y, je passe tour, tant pis, en vrai. Hein. Ah, il a les bottes cubotées. Ouais. La tourelle, là, il va level 3. 350. Ça, son pote, il les vaut. Ouais. Je vais me faire éclater. Là, il m'a pas. Ah, il va sûrement changer de place avec. Hein. Moins 500. Donc, en vrai, l'ivoire, en plus, il me sert à rien du tout, l'ivoire, contre cette place. Il change de place avec, ok. Et il a 7 PM. Okay. Moins 900. Son truc, là, je l'éclate, hein. Bon alors je vais le taper lui, mais alors prochain tour je suis mort. Je vais éclater ça. Crit, ok là je la tue, nickel. Il y a quand même deux coco. Dans deux tours. Là je vais plutôt me vita. Je vais me caler là, on passe tour. Ok. Compliqué hein. Moi, je lui ai déjà mis un beau tour. Si j'arrive à lui mettre un deuxième beau tour, il y a moyen d'ensuite finir, en fait. Je sais pas. Après, l'estime d'Opou, je sais très bien que le Sati sert à rien. Il t'éclate tellement. Là, il va s'attirer. Il va être à l'autre bout de la map. Super. Ok, il se cale là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. C'est vraiment génial. Et maintenant, il va se régénérer. Ah oui, je joue plus. Cette classe, honnêtement, j'aime pas trop tomber contre. Parce que ça peut un peu tout faire, quoi. Là, il se régène. Top. C'est top. Je vais me mettre là. Je vais mettre mon pote. Attends, en vrai, je peux juste aller là après. Je vais mettre mon pote là. Je vais une ouverture parce qu'on est, on est une team. Je vais faire ça. Mais je vais la tuer là, non ? Non, ça va. Ouais, bon, c'est par là. On passe tour. Dokoko qui est plutôt beau. Ça m'étonne que lui en ait pas. Ok. Tant mieux. Pff, franchement, si je win ça, les gars, c'est. Je sais pas si je vais win ça. Hein. Mais c'est cool. Moi, je vois un peu toutes les classes. Ce que j'ai pas encore fait, c'est Yop contre Yop. Ça me manque d'ailleurs. Mais les match-up que je kiffe, c'est EK. Franchement, EK, je kiffe les affronter, les EK. EK, j'aime bien. Yop contre Yop, j'aime bien. Les Oza, ça va, j'aime bien aussi. Ou Jinak aussi, c'est vrai que je n'ai pas encore affronté depuis que je suis de retour. Ouais, c'est parti les gars, on est parti. Là, il a l'ivoire, il a... Ah, mais il est nouveau full HP. Ah, il est nouveau full PDV en fait. Ok, pourquoi pas. Je vais venir ici. Hein. Je vais pas préciser, je vais juste déloc pour éroder et taper. Nickel, on passe tour. Ok. Ah oui, il y a son. C'est cuboté là, j'y pense jamais à ce truc. Là, on va prendre cher. Moins 80 répoux et c'est parti. Moins 500. Attention. Moins 800. Après, il peut encore changer de passe avec son truc, non, après. Non, ok. Il se régène, ok. Moi, j'ai une petite zone crocobure, ça, c'est cool.
En vrai, ce tour-ci, je vais lâcher une pressie. Lui, il a déjà une pression. Je vais lui mettre une deuxième pressie. Est-ce que je me booste? Soyons fous. Hein. Je vais le ré-érodé. Fureur. Et moins 800. Ok, ce qui peut être cool, c'est les intis. Hein. Est-ce que je dois me vita ce tour-ci? Non. Je vais full taper. Crocobure, elle va assez me soin, je pense. Elle me soin du 413. On est au 4000 HP, il a 2003. L'érosion entre en jeu. Il avait 5000. Combien il avait? 5600 de base, non? Je sais même plus. Mais il a plus que 4004. Ouah, c'est compliqué, les gars. Attention, maintenant on va rigoler. Je pense que là, je vais terminer. Là, il va changer avec. Oui, je vais quoi? Il évo son pote. Il a encore des PM? Il ramène toute sa mif là, ok. Il se remet du shield et il va se régénérer. Il a tapé son pote, mais. Wow. Je suis en pressie bas. Je pense que. Il me reste plus que 2008 HP par contre. Hein. On a un Dococo prochain. J'ai déjà une Vita. Là, faut que je maintienne ma. Est-ce qu'il me finit? Non. Hein. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Tu sais quoi? Je vais le taper. Je vais tenter et je tente un kill prochain si je suis pas mort. Vas-y. Soyons fous, on va se caler là. On le fureur. Faut juste pas que je perde de vita. Ça va, on lui fait mal. Je lose pas de vita, j'ai 3500 PDV du coup avec le Dococo et je perds pas de vita. Hein. Mais les 3500, je crois, il les défonce. Hein. Enfin, il les passe facile, non? Ok, il me pose ici. Il lui reste encore 8 PA. Honnêtement, il finit pas. Je peux peut-être assurer un kill derrière. Sachant que je suis encore sous puissance. Parce que, attends, parce que c'est plein de manigance ce truc. Hein. Ça manigance un truc. Voilà, moins 1000. Combien? Peut-être je prends qu'un Sinti. Hein. 1008, ça les fait pas. Jamais de la vie. Sinti qui tombe, je crois. En plus, le truc, il me soigne. Je suis où, moi? Je suis bloqué. Super, j'adore. 1003. Vas-y, je vais. Je vais bon là. Est-ce que je termine 1300? Je vais précis. Je vais. Ouais, je crois que ça passe, non? Après, il a fait un beau truc là, dernier tour. J'ai même pas proc mon Sinti. Je crois que j'arrive à le finir. Hein. Ça passe. Bah, GG. Ok, c'est un petit peu bugué à la fin. Mais très belle game. 10 minutes du coup. Ok, on a gagné 163 colisétons. Et ouais, game en 10. Oh, je pensais pas gérer un game en 10 minutes. Je pensais vraiment pas gérer. Du coup, ce qui nous fait. Ah, dédicace à toi. Oh! Dédicace à toi, frérot. Dédicace à toi, Maka. Je me rappelle de toi encore. Ça fait plaisir, les gars. Je suis content. Du coup, on est en 4 sur 6. On a 4377 de cote actuellement. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais me retourner dans ma petite maisonnette tranquillement. Voilà. Non, en tout cas, on a eu des belles petites games. Vous avez vu, il y a aussi des défaites, forcément. Je vais pas mettre que mes wins, ce serait vous mentir de ouf, hein, parce que vu que je suis en phase de réadaptation, forcément il y a des hauts et des bas, et j'ai envie justement de tout vous montrer, c'est ça qui est cool. En tout cas, très propre, dites-moi ce que vous avez pensé de ces games en commentaire, c'est plutôt cool, et je voulais encore vous remercier vraiment par rapport au like de la précédente vidéo, les gars, plus de 300 likes, c'est un truc de ouf, enfin je compte sur vous, bah, sur cette vidéo-là, pour pareil, péter la barre de likes si vous le souhaitez, vous savez que ça me fait plaisir à mort, hein, et quand je vois que vous bombardez la barre de likes, ça me donne juste envie de poster la prochaine vidéo encore plus rapidement comme d'hab, c'est une source de motivation de ouf, hein, y a pas plus gratifiant, donc merci beaucoup, et pareil tous les commentaires les gars, vous êtes des amours, clairement c'est, merci. Hein. Je vous laisse sur ça les gars, là, actuellement quand je filme il est bientôt minuit, je crois que je vais aller me coucher tranquille là. Si j'y pense, je vous mets mon TikTok en description comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez me rejoindre, hein, les petits TikTok tranquilles quoi. Et j'espère que ça vous a plu cette petite session PVP, on se retrouve très bientôt, dans quelques jours, hein. Merci encore à tous. Et du coup par rapport au sort, ouais, je sais plus, en commentaire si vous savez, mais d'après mes vagues souvenirs, après vu que j'ai un petit cerveau les gars, moyen que... Je dis de la merde, mais la détermination, c'était à la place de bon. Moi, si je me rappelle bien, dans le temps, quand je croisais des steamers d'Opu, ça me faisait tellement chier de mettre de la détermination parce que je perdais mon bon. Si. C'était pas la place là. Je sais plus. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais je croyais que ce sort-là, il était à la place de bon, si je dis pas de conneries. Ça me fait rire parce que en 9 mois, t'oublies tellement de trucs. Enfin, avec tout ce qui a changé en 9 mois, tu étais plus sûr de rien. C'est un truc de ouf. Hein. Vas-y, les gars, assez blablaté. Je vous dis encore merci d'avoir visionné la vidéo. À dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Matt. A très bientôt les gars, ciao.